rentrée pour la classe mini avec la Lorient Bretagne Sud Mini, la première course atlantique de la saison. Deux jours et une nuit de nave au départ de la ville aux 5 ports, direction Pornichet pour quelques 150 000. Place to go. 130 concurrents sur la ligne, dont 6 filles, soit 65 duos, 44 sur des montures de série, 21 sur des protos. Des Français, des Belges, des Suisses, des Allemands, mais aussi des Hollandais, des Espagnols, des Australiens ou encore des Chinois et même des Anglais. Parmi les concurrents, le vainqueur de la première édition, venu remettre son titre en jeu. La pression ? Ouais, peut-être un peu. Bah là, vous me la mettez potentiellement, mais j'essaye justement de l'évacuer celle-là, parce qu'elle est néfaste, elle est pas bonne. Donc non, il n'y a pas de pression de tenant du titre, on repart à zéro. L'ambition c'est de gagner, on l'a gagnée dernière, donc on veut la regagner, on fera tout ce qu'on peut pour la gagner. On va tout donner en tout cas, après le résultat sera ce qui sera. Mais le bateau est prêt, moi je me suis bien entraîné, donc... Voilà, on y va pour gagner. Pour contrecarrer ces projets, d'autres spécialistes de la série ont invité du lourd à leur bord. Frédéric Denis embarque Thomas Coville. Ça fait maintenant plus d'un an que je travaille sur ce bateau et c'est vrai que c'est vite, on a les ornières qui se referment un peu d'être toujours sur le même support et tout. Donc un point de vue extérieur et en plus à viser comme celui-là, c'est vraiment un très gros plus pour moi. C'est Freddy le patron. C'est lui qui décide, c'est lui qui dit comment il voit les choses et c'est très agréable d'être mené. Je suis pas le gendre idéal, mais je suis l'équipier parfait. 11h, à l'heure de quitter les pontons, le ciel se dégage et le vent contredit les prévisions. Les conditions devraient être sympas pour le départ. L'ambiance, elle, est bon enfant. On vient pour gagner, on vient aussi pour montrer que Benoît est ultra compétitif pour la prochaine mini. Et voilà, en plus, on recherche des partenaires. Forcément pour la saison, donc le but c'est un tout quoi. C'est un VRP de luxe, ouais. Il fait tout le métier, il s'occupe de la presse aussi. Ouais. J'y vais sur mes fonds propres, donc l'idée c'est de montrer le bateau, d'essayer de faire un bon résultat et pour trouver des partenaires pour aller faire la mini transat. Donc voilà, mais du plaisir, ouais. Je pense qu'on est au départ, c'est une victoire et tout le reste ce sera que du bonus. On vient d'apprendre le parcours là, qui sera un tour de Groix avant d'aller à Pornichet. Donc ouais, il va se passer des choses en termes de météo, c'est certain. Ouais. Il y a beaucoup de bateaux, ouais. Globalement, on va retrouver ces bateaux-là tout au long de l'année, donc c'est très intéressant de bien commencer la saison. L'exercice est assez drôle, on est quand même là sur une course mini qui ressemble plus à un sprint qu'une vraie course au large. C'est, dès les premières minutes du départ, il va falloir bien naviguer parce que tout ce qui va être perdu, on n'aura pas le temps de le rattraper. Donc c'est un bel exercice là, de sprint au large en fait. 13h, après un rappel général, les chevaux sont lâchés au sud des errants. L'île de Groix doit être laissée à tribord. Les duos mettent alors le cap sur les chats, puis Penman. Au passage de la première bouée, le duo Denis Coville sur Naughty Park est talonné par Yves Leblévec et David Baudard. Suivent Luc Berry et Gilles Louvigné. Derrière eux, la meute est lancée. Dans un vent d'ouest de 10 à 15 nœuds, de belles conditions pour se dégourdir les écoutes et ouvrir l'esprit.